On est déjà rassurés de voir que vous avez trouvé le camp de base. Malgré la pluie dehors, tout le monde est arrivé. Bravo, bravo. En tout cas, on est ravis d'être devant vous ce soir. Un petit peu intimidés aussi quand même, parce que c'est une première pour nous. Mais en tout cas, on est là pour vous emmener avec nous en terre de feu, chilienne. Une terre de feu où on a été au mois d'octobre dernier. Et du coup, on est là pour vous présenter notre expédition. Qu'on aura réglé les petits sujets de technique. Hop. Alors peut-être que pour beaucoup d'entre vous, la Terre de Feu, ben, c'est pas quelque chose qu'ils connaissent. La Terre de Feu, c'est à l'extrême sud de l'Amérique latine. C'est une île. Et sur cette île, elle a été très peu connue au début des Européens. Parce qu'il vivait des tribus indigènes à la base, donc les Selknam, les Yagan ou les Manekens. C'était des tribus, donc par exemple les Selknam vivaient au nord d'Ushuaïa, c'était des chasseurs-cueilleurs. Après on avait par exemple les Yagan qui sont devenus célèbres parce que c'était des nomades qui vivaient avec des peaux de phoque sur des canoës et ils attaquaient tous les bateaux européens qui passaient par là. Et enfin, une ethnie qui était plus ancienne, c'était les Manekens. Les Européens ont vraiment commencé à découvrir cette zone en 1520 avec le célèbre Magellan qui a commencé à découvrir la zone en passant dans les différents canaux autour de la Terre de Feu. Et c'est en allant dans ces canaux qu'il a notamment découvert un nouveau passage pour éviter le Cap Horn, le fameux détroit de Magellan. Et toute cette histoire de Magellan est retournée aux oreilles du roi d'Espagne, donc le roi Charles Quint, et on lui a raconté que Magellan avait donné à cette terre le nom de terre de fumée, parce que quand il passait avec son bateau, les Indiens, pour se prévenir entre eux, allumaient des grands feux sur le bord des canaux pour se prévenir que le bateau arrivait. Donc Magellan avait dit, ben, on va appeler ça la terre de fumée. Par contre, quand il a entendu ça, Charles Quint, il s'est dit, bah, pas de fumée sans feu, donc ça sera la terre de feu. Et le chef a toujours raison, quoi. Il a dit ça. Donc c'est devenu la terre de feu. Après, les Européens, pendant quelques siècles, ils ont peu été dans la zone, puisque c'était quand même une zone qu'ils évitaient au maximum à cause des conditions atmosphériques. C'est vraiment à partir des années 1830 que va commencer la découverte vraiment de la zone de la terre de feu. Et donc c'est le célèbre capitaine Fitzroy, bien connu pour la montagne du même nom que les Français connaissent bien, qui dans son bateau, le HMS Beagle, va trouver un autre passage du coup, qu'on voit un petit peu ici, qui est donc le canal de Beagle, qui va prendre le nom du bateau. Et il va aussi vraiment pour la première fois rencontrer les indigènes. Alors la rencontre ne va pas spécialement bien se passer, puisque les indigènes vont leur voler des canots notamment. Et en guise de représailles, Fitzroy va kidnapper 4 indigènes qu'il va ramener avec lui en Angleterre pour les civiliser à l'européenne. Bon, ça ne verra pas payant puisque quelques années après, ils vont les réintroduire dans leur état normal, sauvage. Et en fait, très rapidement, ils vont retourner à l'état sauvage et réattaquer les Européens. Donc ça a été un petit échec. Et donc c'est pendant ce deuxième voyage Fitzroy est retourné dans cette zone de la Terre de Feu, il avait à bord une certaine célébrité, qui était en devenir célébrité. Darwin était à bord, il faisait un tour du monde pour mettre au point sa célèbre théorie de l'évolution. Et on me dit dans l'oreillette qu'il y a une conférence là-dessus dans quelques jours sur Darwin, pour ceux qui sont intéressés. Donc, de cette expédition, Darwin, sur le bateau du HMS Beagle, sont passés donc, dans le canal. Et à côté donc, de toute cette zone très montagneuse, qui du coup maintenant porte le nom de Darwin, du fait de son passage.
En gros, à partir de cette période-là, c'est là où vraiment les Européens vont coloniser la zone, vont commencer à mettre une première ville à Ushuaïa. Et malheureusement, les maladies et l'homme vont vraiment décimer les populations indigènes. Et bon, il y avait jusqu'à l'an dernier encore une Yagan dans le monde et une personne qui parlait encore le dialecte. Et malheureusement, elle est décédée l'an dernier. Bon, malheureusement, les autochtones ont mal vécu l'arrivée des Européens dans la zone. Bon, suite à cette découverte et au nom qu'on a donné à la cordillère de Darwin, elle a toujours un peu intrigué les alpinistes par sa position, par son isolement. Mais c'est que dans les années 60, donc en gros après la conquête des premiers 8000 mètres dans l'Himalaya, qu'on va sérieusement s'y mettre. Donc c'est Shipton, c'est un militaire anglais qui est connu parce que c'était le responsable de l'expédition qui a fait la première de l'Everest, qui va sur la zone et qui pense réaliser en fait la première ascension du mont Darwin. Bon, en gros, il voit la montagne depuis le canal, ils l'appellent tous le mont Darwin. Bon, en fait, il se trompe, c'est pas la bonne montagne. Vu la météo, il s'est trompé. Bon, c'est une erreur qui va être corrigée en 1970 par une expédition néo-zélandaise qui va faire vraiment la première du mont Darwin. Et en hommage à Shipton, du coup, va nommer le mont Shipton le plus haut sommet de la cordillère, donc il y a 2400 mètres. Ce qu'il faut se dire, c'est que les altitudes sont assez faibles. Par contre, les glaciers descendent au niveau de la mer, quoi. Descendent au niveau zéro. C'est un peu... C'est climat austral. Bon, il se passe pas mal d'expéditions dans les années qui suivent. Beaucoup d'échecs à cause des conditions météo assez extrêmes, comme on le verra tout à l'heure. Jusqu'en 2011, où Cocorico, le groupe militaire de haute montagne français, va faire vraiment un exploit. Donc, en gros, c'est les alpinistes d'élite de français. Du coup, ils sont militaires, mais c'est beaucoup de guides, notamment. Et ils vont faire la première traversée intégrale de la cordillère, d'ouest en est. Ils vont être 30 jours en autonomie, à ski, un peu comme on est venu, en peau de phoque, avec des poulkas, donc des traîneaux qui traînent derrière eux. Et ils ont à peu près 75 kg de charge par personne. Ils en ont fait un très très beau film qu'on conseille à ceux qui seraient intéressés, qui s'appelle « Sur le fil de Darwin ». Alors maintenant que vous voyez un peu plus la zone, ce que ça représente, l'histoire qu'il y a autour, on vous propose de visionner un petit court-métrage de notre expédition que nous avons pu faire là-bas donc cet octobre. Voilà, c'est un petit film qui retrace, on va dire humblement, ce qu'on a pu faire là-bas dans la zone pendant cette période. Est-ce que c'est possible de baisser la lumière ? Finalement, c'est pas qu'une question de niveau pour aller à Darwin, c'est une question un peu de résilience et d'y aller quand même, voir, tâter le terrain, accepter de ne pas y arriver, accepter de se remettre complètement en question. Là-bas, c'est vraiment faire sa trace, quoi. Trouver un itinéraire et y aller, et puis bah, au pire se tromper. Bienvenue dans notre cordée, nous c'est Arnaud et Émilie, on est ingénieurs la semaine et alpinistes acharnés sur notre temps libre. Nous ce qu'on aime c'est la neige. On aime le vent. On aime les sacs d'eau. On aime la nature. On aime le ski. On aime la glace.
On est Manu Chao. On n'est pas des athlètes, on est des gens assez communs. Juste on aime et on vit pour la montagne. On a été à Darwin parce que c'est une zone qui nous fait rêver et que c'est un peu une des dernières terres vierges. On a déjà été en Patagonie et on a déjà été bloqué dans un refuge par des conditions un peu apocalyptiques il y a quelques années à côté de la Chaltaine, où on a été bloqué avec un gars qui est marin, qui fait de la montagne, qui s'appelle Joël. Et il nous a mis en relation du coup avec Seba, qui est un guide de haute montagne qui vit à Ushuaia. Et c'est lui du coup qui a mis l'enfance avec un capitaine de bateau. C'est une bande de copains. Quand ils ont vu qu'on comprenait tout en espagnol, ils nous ont super bien intégrés et on avait l'impression de les connaître du coup. Le premier sommet, on avait vraiment les crocs, on avait envie de sortir du voilier pour le coup et d'aller en découdre avec la montagne, quelle que soit la montagne. L'idée c'était de sortir à ski sur l'Isla Gordon. Et malheureusement, la neige n'était pas au rendez-vous. Donc pour un premier sommet, je pense qu'on a fait autant de porter les skis que de ski. D'être quand même là-haut que bon, je sais pas, c'était la liesse générale et puis c'était un sommet vierge donc il a fallu le baptiser et c'est tout naturellement qu'on l'a appelé le Mont Apéro parce que c'est ce qu'on faisait tout le temps dans le bateau quoi donc allez c'est parti Mont Apéro. C'était vraiment de la débrouille entre nous et entre l'équipage et au final on a quand même réussi à faire des choses. Et puis cette sensation de se dire qu'on est quelque part où personne n'a jamais été. C'est un petit truc magique quand même. Comme si ça a sonné tout ce petit peu comme fatal, mon ami. Et aparte, si vous avez dit jusqu'à maintenant, c'est que d'ailleurs, ça a mis. Après, on est très peu resté sur l'Isla Gordon comme il manquait vraiment de neige. Donc, on a décidé vraiment de partir sur Darwin, sur le fjord de Pia, là, un très beau fjord qui se découpe en plusieurs parties. Et là, on est sous le mont Darwin, un des sommets majeurs de la cordillère. Et on a eu l'impression de repérer un chemin d'accès qui paraissait assez naturel. Du coup, on a pris toutes nos affaires pour partir sur 3 jours. On s'est approché par une arête avec plusieurs sommets vierges. Sauf que la météo n'est vraiment pas terrible. Et ouais, on s'est arrêté au bout de 7 ou 8 heures, je pense. En gros, là, on aurait pu faire un camp de base pour compter nos armées. Alors, quoi notre but? Mais on a ouvert 2 sommets secondaires quand on a fait cette approche. Combien on l'a appelé Céropic Lagoon, c'est le nom du bateau. Le deuxième, on n'avait plus trop d'imagination, on était fatigués, congelés. Donc c'est le Céromirador, donc le point de vue. Ça nous a permis quand même de repérer vraiment la zone et toute une voie d'accès, peut-être même encore plus facile que ce qu'on a fait là. Il y a un autre glacier pour un camp de base et tenter le Darwin, qui est quand même le sommet majeur de la zone, par un itinéraire qui sont pas si dur, une voie que j'aime. Pas mal de balles à prendre en compte dans un voyage à voilier, il faut prendre en compte vraiment le vent, nous pour la montagne, mais aussi pour le bateau. Ça fait quelques expéditions qu'on fait, notamment dans cette zone où on sait que la météo peut être vraiment apocalyptique. Et du coup, on a un peu appris à ne pas avoir forcément un objectif précis. Si on va dans la zone, on voit ce qu'on peut faire. Il y a eu vraiment une fois où on a fait 10 mètres, on est revenu. On avait repéré une goulotte là qui montait, qui paraissait sympa depuis le bateau. Et on est parti.
On s'est un peu fait rincer par la pluie quand même, ce jour-là. On s'est tout équipé, on a commencé, on a fait 15 mètres avant de tomber sur un énorme mur. On a contourné par une cascade qui, pour le coup, elle coulait bien. C'était quand même pas la folie et on a fait demi-tour, du coup, je pense qu'on a dû faire 50 mètres de dénivelé après. Et retour au bateau, trempé. Et le dernier sommet qu'on a fait, donc c'est le Monte Frances, qui est, on va dire, un sommet peut-être plus classique de la zone. Qui fait partie des sommets de plus de 1000 mètres de la Cordillère, donc un des plus hauts. Mais relativement accessible parce qu'il est très proche du canal, donc on peut facilement, on va dire, s'il y a quelques heures de beau, tenter le sommet. On avait monté un camp de base près dans le lac. Il y avait un créneau de beau. Effectivement, on se lève à minuit, super beau temps, on s'élance, on est à fond. Et plus on avançait, plus ça tournait au vinaigre. On commençait à plus y voir, il fallait qu'on tende les bras devant nous pour tiens, un sérac. Donc ben, je longe le sérac avec mes mains, il y a tout qui givre instantanément. Moi mes lentilles ont gelé. Vas-y, vas-y, moi et arrive. On prend des pincettes. Et tiens. Le sommet, on l'a trouvé grâce au GPS parce qu'on ne voyait plus. On ne voyait plus devant, on ne voyait plus derrière. On ne se voyait même pas entre nous dans les cordées. La neige commence à vraiment s'accumuler et après la descente, limite on y allait en courant tellement de sortir de là. S'il n'y avait pas toutes ces conditions autour qui rendent ça dantesque, la course en elle-même est ultra facile. C'est une bulle en fait l'expédition et c'est même dur à retranscrire parfois en dehors de cette intensité d'un moment, d'un sommet. Je trouve dans nos boulots, on pense vraiment à un an à l'avance, on planifie tout, dans nos billes, dans tout, et là c'est juste penser à l'heure d'après. Ton prochain objectif, c'est le prochain repas. C'est mettre la tente, c'est te coucher tôt. C'est vraiment être 100% focus sur le moment, sur l'instant présent et ouais, pas du tout penser à ce qu'on fera autour en France. Et je trouve que ça simplifie aussi beaucoup les relations entre les gens. Ouais, on déconnecte en fait, ouais, complètement. C'est une déconnexion totale. Sur Darwin, c'est bien bien plus compliqué de passer la forêt que de passer les glaciers. C'est un combat corps à corps avec la forêt primaire, le sol, c'est une espèce de toundra où tu t'enfonces. On se disait qu'il fallait inventer une espèce de cotation pour la forêt. Malgré le son, peut-être pas assez fort au début. Du coup, bah, comme vous avez pu comprendre, même si c'était à notre petite échelle, ce type de projet, ce type d'expédition, c'est plein de défis. Et ces défis, on les retrouve sur toutes les expéditions, c'est des choses qu'il faut apprendre à faire avec. Et justement, on voulait les partager avec vous pour vous montrer ce que c'est de préparer une expédition et commencer de la vivre. Il y a en général quatre grands types de défis. Des défis géographiques, ici il y avait un gros défi météorologique, un défi logistique et un défi humain. Et du coup, si on commence par le défi géographique, donc c'est assez surprenant, mais aujourd'hui Darwin, c'est une des dernières zones sur Terre qui est encore très peu cartographiée. C'est-à-dire qu'il existe quelques cartes qui en grande majorité sont fausses, c'est-à-dire qu'il y a des altitudes qui sont données qui sont fausses, il y a des accès qui sont indiqués qui ne sont pas les bons. Et donc c'est déjà juste ça, une aventure, et essayer de trouver des informations quand on est en France sur cette zone, c'est très compliqué. Donc du coup, il faut, pour partir là-bas, il faut déjà en France chercher de l'information, contacter des Argentins, contacter des Chiliens, essayer de trouver des informations
pour quand même dégrossir un minimum la zone dans notre tête pour voir où est-ce qu'on peut aller ou pas. Et c'est pareil, c'est un peu surprenant, on est habitué au téléphérique de l'Aiguille du Midi en France, on est habitué à une montagne qui est relativement accessible. Là-bas, il faut se dire qu'il n'y a pas du tout de chemin, il n'y a pas du tout de refuge, il n'y a même pas de mammifères en fait. Les seuls qu'on a croisés, c'est quelques guanacos. Et les castors féroces. Et les castors. Mais du coup, il n'y a pas de mammifères, donc ils n'ont pas tracé de traces dans la forêt. Et ouais, c'est assez atypique quand même. Et du coup, c'est aussi une zone qui est... Ben, pourquoi il n'y a rien? Il ne faut pas se poser beaucoup de questions. C'est parce que c'est inaccessible. Aujourd'hui, c'est une zone frontalière, Darwin, donc c'est à la frontière entre le Chili et l'Argentine. Nous, dans notre cas, on y a accédé depuis l'Argentine, depuis Ushuaia, mais c'est au Chili. C'est deux pays qui ne s'entendent pas spécialement bien. Donc autant dire qu'il y a un certain nombre de formalités administratives à faire. Ça confine un peu aux 12 travaux d'Astérix. Hein. En fait, il faut aller côté chilien et aller dans 4 ministères différents pour avoir 4 tampons différents. Le ministère de l'Environnement, le ministère des forêts, le ministère de l'Immigration, le port, le... ça n'en finit pas. Il faut une journée entière administrative de tampons. Voilà, c'est assez compliqué. C'est une zone où on accède que par la mer, donc il faut, ben, comme on l'a fait, accéder par voilier. Voilà, tout ça fait que ça protège en fait la zone de l'être humain, quoi, en gros. Il faut vraiment avoir envie d'y aller. Et bon, on va le voir surtout après pour la météo, mais bon, c'est vraiment une zone compliquée d'accès. Et bon, c'est peu connu, peu cartographié, c'est difficile d'accès, du coup, ça crée quoi? Un très fort isolement quand on est là-bas. On a une sensation vraiment d'exposition et d'engagement qui est encore une fois pas la même que ce qu'on a dans les Alpes. Là, on va pas appeler l'hélicoptère parce qu'on s'est fait mal à la cheville, il va pas venir nous chercher. On a personne autour, on a que nos membres de notre expédition qui sont une partie dans le bateau, une partie sur la terre. Donc là, il y a une vraie question de comment on gère la sécurité. Il faut garder une marge de sécurité beaucoup, beaucoup plus importante que ce qu'on peut avoir dans les Alpes. Là où on va tenter quelque chose de technique dans les Alpes, en France, en Suisse ou autre, là-bas, on va faire quelque chose de beaucoup plus simple pour éviter au maximum l'accident. Parce que s'il arrive, il est beaucoup plus compliqué à gérer. Et du coup, pour ça, on utilise du matériel. Par exemple, on a des petites radios qui permettaient de communiquer entre nous et les personnes sur le bateau pour donner des nouvelles. Ça permet quand même de gérer une partie de la sécurité. Et il y a également des petits téléphones satellites qui permettent de garder pour le coup contact sur la Terre avec les gens qui sont restés sur le continent. Notamment le routeur météo, c'est la personne qui nous donne les dernières prévisions météo. Et voilà, ça permet, si jamais vraiment il se passait quelque chose, de faire un SOS, quoi, en gros. Et voilà, du coup, pour toutes ces raisons, la sécurité, c'est vraiment quelque chose qui devient central et qu'il faut arriver à bien gérer, bah, sinon on peut vite se mettre en danger. Ce manque d'information de la géographie là-bas est tellement marqué qu'il y a un... En fait, une fois qu'une expédition est passée dans la zone, il faut rencontrer une personne une fois que l'expédition est finie pour aller lui expliquer ben, où on est allé, ce qu'on a vraiment vu sur le terrain, lui donner nos relevés GPS, les sommets qu'on a faits, si on leur a donné un nom. Et cette personne essaye d'affiner la carte et de créer une vraie carte par rapport aux relevés de toutes les expéditions qui passent dans cette zone. C'est pour dire comment il y a peu d'informations et c'est pas clair, quoi. C'est un peu le grand gourou de la zone qui valide ou pas les sommets et les expéditions. Donc bah, l'autre grand défi, vous l'aurez compris, c'était la météo. Donc Darwin, c'est très connu pour son climat dantesque, surtout le vent. On est à la proximité du Cap Horn et on est au niveau des 50e hurlant. Donc ça porte très bien son nom. Et en fait, ce climat, il va venir à la fois impacter ben, nos projets d'alpinisme et aussi ben, le voilier, puisque le voilier, c'est notre seul moyen de repli quand on est dans cette zone. Donc ça veut dire que si on a un souci et qu'il fait mauvais, on n'arrive pas à rentrer. Donc c'est aussi un espèce de poids mental et une charge à tout le temps avoir en tête. C'est qu'il faut garder quand même un créneau de beau pour pouvoir rentrer, pas que pour faire de l'alpi. Donc c'était aussi... une autre manière d'envisager la montagne. Et cette météo qui est extrême, elle est aussi très changeante. D'ailleurs, en Patagonie, de manière générale, on ne parle pas de fenêtre météo, on parle de meurtrière météo. C'est-à-dire que vous avez une heure de beau, il faut y aller, c'est le moment.
Et donc du coup, voilà, c'est un défi qu'il faut vraiment apprendre à gérer. Ça fait beaucoup de frustration. Et c'est quelque chose de très marquant quand on va en Patagonie, et en particulier à Darwin. Oui, il y a quand même une gestion de la frustration à devoir gérer, parce qu'on ne sait jamais si on pourra sortir ou pas. Et les prévisions météo sont quand même très très peu fiables. Le problème de Darwin, c'est que c'est quand même situé au niveau du Cap Horn, donc c'est entre l'océan Pacifique et l'océan Atlantique. C'est le bout de la cordillère des Andes, ça combine quand même beaucoup de conditions pour que la météo soit pourrie, quoi. Bon, du coup, c'est aussi un défi logistique, avec ma superbe tête. C'est déjà une logistique sur le bateau, parce que c'est quand même un voyage... voyager en voilier, c'est quand même toute une logistique. Faut prévoir à manger pour... là, dans notre cas, c'était 14 jours d'expédition. Alors, on prévoit toujours en plus un petit peu plus en sécurité. Il faut aussi prévoir de quoi aller sur la terre aussi, si besoin. Et après, comme le disait Émilie, la météo, les fenêtres météo sont très courtes. Donc, on pourrait avoir envie d'être très léger, d'aller très vite. Le problème, c'est que comme on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on va trouver, malheureusement, on va devoir se parer en fait à toutes les éventualités. Donc, les éventualités, ça va être quoi? Ça va être, déjà, on sait qu'il y a des grands glaciers, donc il y a des grandes approches. Donc, on va prendre les skis. Donc, les skis avec les pots de phoque, là, qui sont dessous, qui permettent de monter. Qui dit ski, dit gestion des avalanches. Donc, on prend chacun des pelles, des sondes, des détecteurs d'avalanche, détecteurs de victimes d'avalanche. Si jamais quelqu'un est pris, ça permet de... En gros, ce triptyque permet de retrouver la personne. Après, si on est plus sur un glacier, sans les skis, entre les crevasses, bien sûr, on va prendre des crampons, plus ou moins affûtés, avec des formes différentes selon si on est sur glace ou pas. Et donc des piolets. Là, ici, par exemple, on a des piolets techniques qui sont plutôt pour la cascade de glace, par exemple. Et pour s'assurer dans la glace, et où s'il y a une chute en crevasse, on a ce qu'on appelle des broches à glace, qui est comme un gros tournevis. On va venir visser dans la glace. Et c'est un point d'ancrage sur lequel on va venir assurer la cordée. Voilà. Donc déjà, il faut imaginer le poids que ça fait au baudrier. Et puis on rajoute ce qu'ils appellent là-bas des estacas. On n'a pas vraiment de mot en français. Pieux à neige, qui en gros permet d'assurer quand il n'y a pas de glace. Qu'on enfonce très, très fort et qui permet de s'assurer dessus. On peut aussi rencontrer du rocher. Et alors, c'est pareil, c'est une part d'inconnu. Et alors le rocher, ce qui est atypique à Darwin, c'est que c'est du granit. En très grande partie, donc du granit, c'est un peu ce qu'on trouve à Chamonix. Donc quand on grimpe du granit, souvent il y a des fissures. Et pour assurer une cordée et passer la corde, en fait on utilise ce genre de coinceurs qui s'appellent des friends. C'est des coinceurs à cam en fait qu'on rentre dans les fissures et on s'assure dessus. Donc on les met aussi au baudrier, donc ça rajoute du poids. Ça peut être des pitons, ça peut être des petits coinceurs comme tu as sur ton baudrier aussi. Donc c'est plein de petits coinceurs. On va essayer de venir caler dans toutes les petites fissures qu'on croise et on viendra mettre tout notre poids dessus pour vérifier que ça tient. Et après, comme vous avez pu le voir, il y a aussi s'il faut dormir plus sur le bateau mais dehors pour tenter un sommet un peu loin, il y a tout le bivouac à transporter aussi, donc la tente, les duvets parce qu'il fait froid, un petit matelas, le réchaud, des lyophilisés. Alors maintenant, ça a beaucoup évolué, on peut faire un très bon repas avec des lyophilisés. Mais voilà, ça fait quand même beaucoup de poids et beaucoup de choses aussi à avoir dans le sac, à avoir dans le bateau et à gérer. En gros, il faut compter des bonnes journées, des sacs pas trop lourds, c'est 20-25 kilos. Donc ça pèse son poids. On est monté à 40 une fois, mais nos dos s'en souviennent un peu. Et bien sûr, toute cette aventure, c'est avant tout une aventure humaine. Donc il y a le paramètre humain qui est très important. Une expé réussie, c'est une expé où tout s'est bien passé entre les membres de l'équipe, où il y a la mayonnaise qui a pris, comme on a dit. Et alors sur le bateau, dans le cas de notre expé, c'était encore plus fort. C'est qu'on était 6 personnes sur un petit voilier de 10 mètres. Donc je vous laisse imaginer la promiscuité, le manque d'intimité. Donc on partage tout, hein. Même les odeurs, c'est un vrai plaisir. Surtout les odeurs. Donc voilà,
Après nous, ça s'est super bien passé et ça a été, je pense, le gros point fort de cette expédition, c'est que le facteur humain a été très très bien géré. En fait, c'est très facile avec les Argentins. Faut se dire que c'est des gens qui partagent tout de suite. C'est-à-dire qu'on les connaît, on s'est dit bonjour. 5 minutes après, ils vous invitent chez eux pour la prochaine fois que vous venez. Le soir, vous faites un barbecue chez eux. Ils vous donnent du matériel. Enfin, c'est assez incroyable et assez génial. Bon, c'est peut-être une des raisons aussi pourquoi on retourne systématiquement là-bas. Mais bon, oui, c'est particulièrement dans un petit bateau comme ça où on est tous près les uns des autres. Par exemple, à un moment, on a eu une tempête. Nous, bon, on a pris un cachet de Dramamine pour être malade. On était tous dans nos couchettes. Et en fait, même dans la couchette, on n'arrivait pas à tenir, quoi. On n'arrivait pas à rester allongé. Ça partait dans tous les sens. D'un coup, le guide, on entend insulter en espagnol parce qu'il est tombé de sa couchette. On est tous les uns sur les autres, quoi. On peut se toucher entre nous. Donc, c'est bien d'être avec des gens avec qui on s'entend bien, quoi. Et après, quelque chose de vraiment important, c'est un peu lié à ce qu'on vient de dire tout à l'heure sur la sécurité, c'est que pour la montagne, il faut que le groupe partage la même vision, que ce soit de la sécurité, que ce soit des objectifs. Et comme on l'a dit, il y a souvent beaucoup de frustration. Il faut que les gens viennent chercher la même chose ici en sachant qu'il y a de très très fortes chances qu'on n'arrive pas à faire de sommet. Et qu'on soit venu un peu pour rien, ça a quand même un coût. C'est un coût en temps, c'est un coût financier. Et la difficulté, c'est si les gens ne souhaitent pas la même chose, ça peut vite bloquer. Du coup, il faut que les décisions soient prises collégialement, y compris dans le bateau aussi. Si on décide de repartir, il faut que tout le monde soit d'accord. Il faut que le demi-tour il soit accepté si on est sur la montagne, que la météo est mauvaise. Il faut que le demi-tour il soit accepté par tout le monde, qu'il n'y en ait pas un qui veuille forcer et pas les autres. Et voilà, c'est vraiment... si l'accordé fonctionne, si l'équipe fonctionne, on pourra aller loin. Après, si on partage pas les mêmes objectifs, ça devient vite compliqué. Et en plus, la promiscuité dans le bateau peut rendre ça assez compliqué. Mais bon, dans notre cas, ça s'est vraiment très bien passé. Puis il faut dire qu'ils font à manger. C'est des fous. Ils mangent de la viande. Ils peuvent pas manger qu'une grillade, quoi. Ils rajoutent des lardons. Du coup, il y a une coutume qui existe dans l'alpinisme. Quand on a fini de faire un sommet, une sortie, ou une sortie en ami ou même une expé, ça s'appelle dire son râteau et sa pépite. C'est ce qu'on a aimé et ce qu'on a le plus détesté. Et du coup, comme on fait un peu le débrief de cette expédition avec vous, on voulait aussi faire cette coutume avec vous et partager chacun notre pépite et le râteau de cette expédition. On va commencer par les pépites. Donc pour moi, ça a été justement le côté humain qui a été qui m'a marqué. C'est en redescendant donc du Monte Frances, notre troisième sommet, on était au bout du rouleau. On avait mentalement, physiquement beaucoup pioché et on est arrivé en bas sur la plage abandonnée, on aurait dit Robinson Crusoe. Et là, le capitaine du fin fond de son bateau avait une cache secrète. Et il nous a sorti des mètres et des mètres de saucisses et de steaks et de... C'était un vrai sketch. Au 12e jour d'expédition. Voilà. Donc en fin fond, il nous a sorti ça et en deux temps, trois mouvements, on avait installé ce magnifique barbecue sur la plage. Et ça a été un super moment de convivialité, de fête et je pense qu'on s'en souvient tous. Oui, parce que bon, on dit qu'on est des aventuriers, qu'on va sur des zones un peu lointaines, mais bon, ils nous ont sacrément gâtés au niveau boisson et repas. Et me concernant, du coup, bon, ça j'ai adoré aussi l'assado. Donc l'assado, c'est le barbecue argentin. Et moi, c'est vraiment le voyage en bateau en lui-même. En fait, plusieurs fois avec Émilie, on s'est dit que même si on descendait pas sur la terre, c'était déjà un voyage incroyable. Juste la partie voilier, d'aller dans ces grands fjords, voir ces glaciers et naviguer, quoi, simplement naviguer. Et en plus de ça, on s'est aperçu qu'il y a énormément de choses qui sont liées entre montagne et navigation, que ce soit la gestion de la météo, la gestion de l'engagement, la gestion de la sécurité. Les nœuds. Les nœuds, tout à fait, même si c'est pas tout à fait tous les mêmes. Et voilà, bon, c'était vraiment la partie expédition bateau, c'était une vraie découverte pour nous et on a vraiment adoré. Bon, hormis quand il y a beaucoup de vent, c'est moins drôle. Et alors les râteaux, et bon, me concernant, on peut appeler excursion sylvestre. En fait, du coup, ce qu'il faut se dire, c'est que quand on arrive à Darwin, on accoste sur
une petite plage au mieux. Et ensuite, il y a 400-500 mètres de dénivelé de forêt. Donc c'est de la forêt encore primaire, hein. Il n'en reste plus beaucoup sur la planète. Mais c'est une forêt composée, les arbres ne sont pas très grands. On a un sol, c'est une toundra, en fait, on s'y enfonce vraiment, ça remplit bien les chaussures. Et en fait, c'est très dense, la végétation est très dense. Et il y a des petits arbustes qui s'appellent les calafatés, particulièrement, qui sont particulièrement pervers. Donc ils ont des pointes comme ça. Et bon, les 5-10 premières minutes, vous faites attention à vos vêtements, en disant j'ai une belle doudoune, j'ai pas envie de l'abîmer. Et puis au bout de 10 minutes, il faut gagner contre le calafaté, donc on y va, on avance. Bon, Emilie, elle a gardé un petit souvenir pendant quoi, 4-5 mois, un calafaté dans la cuisse là, qui partait pas. Donc oui, c'est beaucoup, beaucoup plus dur de passer cette forêt primaire que de passer les glaciers. En fait, on est content quand on arrive sur les glaciers, parce que c'est ce qu'on maîtrise, et enfin, c'est beaucoup plus simple d'accès, quoi. Et pour ma part, ben, c'est un peu aussi... Bon, les calafatés, bien sûr. Et la redescente donc, du Monte Frances, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, c'était vraiment dantesque, il n'y a pas d'autre mot. Et là, on a vraiment ressenti l'engagement, l'isolement, le fait qu'on était tous les trois donc avec Seba, qu'il fallait vraiment qu'on sorte d'ici, coûte que coûte. Et j'avais mes deux lentilles qui avaient gelé, donc je voyais plus rien. Enfin, honnêtement, tout était blanc. On ne se voyait plus entre nous dans les cordées. On ne savait plus trop. Nos traces de la montée avaient été recouvertes par le vent et la neige. Donc on ne savait vraiment plus où on était. On était plus ou moins au GPS, qui commençait à montrer des signes de fatigue. Donc voilà, il fallait vraiment descendre. C'était un peu un moment tendu. Et rien que pour vous donner une idée de notre tête, donc Seba, je ne sais pas si vous voyez, donc en orange, la tête des sourcils tellement c'était congelé. C'était vraiment un effort juste d'ouvrir les yeux tellement qu'on avait de glace sur les cils. Il fallait vraiment de la force pour ouvrir l'œil et le refermer. C'est un truc tout bête, mais sur le moment, on fait « Waouh, pourquoi je suis là déjà ?» Mais bon, dès qu'on est rentré, après on veut y retourner, donc c'est qu'on doit aimer ça. Et bah du coup voilà, c'était un peu la fin de notre conférence. On espère que ça vous a plu, que ça sera pas votre râteau à raconter lundi au boulot ou avec vos copains. En tout cas, nous, on a vraiment aimé partager ce récit de notre expédition avec vous, ce qu'on a ressenti, ce qu'on en a retiré, et on espère que c'est la même chose pour vous. Et nous, bon, c'est une zone qu'on adore. Et on va y repartir du coup 7 mois, à partir du mois d'août, à partir de mi-août. On part en Patagonie, 7 mois. Et on va retourner du coup dans la cordillère de Darwin, sur une autre zone de la cordillère, où il y a encore beaucoup de sommets qui sont inconnus, qui sont vierges. Et carrément une vallée entière glaciaire qui n'a jamais été parcourue. Donc, on repart plus ou moins avec la même équipe et le même bateau. Voilà. Maintenant, en tant qu'amis, plus. C'est ça. Et voilà, donc après, je ne sais pas si vous avez des questions. On a aussi tout le matériel après la conférence qu'on va laisser à disposition si vous voulez venir voir, si vous avez des questions. Ce sera avec grand plaisir. Je ne sais pas. Oh, on ne sait pas. Exactement. Donc, voilà, je change de micro pour pouvoir avoir un micro opérationnel. Donc si vous avez des questions... avant de poser, je vais faire un peu de lumière pour que je puisse voir des bras levés. Ça se verra mieux, on a moins besoin de voir l'écran puisqu'on a déjà tout vu. Voilà, si vous avez... Voilà.
Cordero et Mirador, est-ce qu'ils ont été labellisés par la suite? Oui, ils devraient être officiels du coup, parce que le grand gourou de la zone a validé nos ascensions, après vérification quand même, quand on n'est pas raconté n'importe quoi. Oui, on s'est quand même fait challenger sur le parcours, on a eu des questions un peu techniques de « Pourquoi vous êtes passé là? Vous êtes un peu bête ?» On est passé 4 heures quand même, alors, à expliquer où est-ce qu'on est allé. Après, en gros, ce qu'il faut savoir, quand on nomme des sommets, on ne peut pas faire n'importe quoi. Ça peut pas être des noms de personnes, par exemple. On peut pas dire c'est Zéro Émilie. Et voilà, il y a quand même un petit cadre de ce qui peut être fait ou pas fait. Et si on met des noms de personnes, si c'est possible, mais il faut qu'ils soient décédés. On avait demandé le Zéro Manu Chao, mais ils ont pas voulu. En botanique, on peut mettre des noms de personnes vivantes. C'est ça l'avantage. Bonjour, je croyais avoir vu que vous disiez que vous étiez amateur et un peu débutant, en fait je ne peux pas le croire, donc ça veut dire quoi? Comment vous êtes arrivé à l'alpinisme et depuis quand en faites-vous, si vous voulez bien le dire? Oui, oui, bien sûr. En fait on a commencé il y a 5 ans, on s'y est mis il y a 5 ans en fait, on a commencé par beaucoup courir ensemble avec Émilie, on faisait pas mal de trail. Et en gros, on s'est un peu offert le même cadeau au même moment, qui était une première ascension en alpinisme, avec un guide, hein, puisqu'on n'y connaissait rien du tout. Et en fait, on s'y est mis, on s'est formé avec le club alpin français, avec la Fédération française de la montagne. Et de fil en aiguille, on a tenté le Mont Blanc, on s'est mis un peu aussi à toutes les disciplines. Donc le ski de randonnée, l'escalade. Donc, il faut se dire qu'on partait vraiment de zéro dans tout. On partait vraiment de zéro. Et voilà, on s'y est mis, et au fur et à mesure, en fait, grâce à des guides, grâce à des formations, Émilie, après tu parleras de ta formation aussi, on a augmenté notre niveau, en fait, notre autonomie, et qui permet du coup d'adapter les projets qu'on fait au fur et à mesure. Alors moi, j'ai eu la chance, les deux dernières années, enfin un an et demi, j'ai intégré le groupe féminin de Haute-Savoie, d'alpinisme. Du coup, pendant un an et demi, j'ai été dans une équipe de filles, on était 5 filles. On était suivies pendant un an et demi avec une guide. On faisait des sorties tous les mois pour nous former. Et à la fin, on a fait un petit projet d'expé aussi, justement pour apprendre à gérer toutes ces composantes. Notre projet, c'était de faire des sommets un peu des 4000 des Alpes avec des voies un peu intéressantes en niveau. Et pour corser l'affaire, on a décidé de tout rejoindre à vélo. Donc on faisait tous les trajets, entre dans la vallée à vélo. Mais sinon, pour compléter ce qu'a dit Arnaud, oui, on part vraiment de la base. Alors on a beaucoup, avec nos familles, fait des randonnées. Je pense que tout le monde connaît Roger ici et son goût pour la randonnée. Et de fil en aiguille, on est passé au trail. Et après, on s'est dit, on veut aller sur la montagne là-haut, on va prendre un piolet et se bouger les fesses. Mais voilà, c'est assez récent. Ce qui est plutôt bien, c'est qu'on partage, en fait on fait tout ensemble là-dessus. Donc on a le même niveau, on apprend en même temps et c'est ça qui est cool. En cas d'accident, parce que c'est tout à fait possible, est-ce que vous étiez suivi par les autorités françaises, alors tous les niveaux, hein, je ne sais pas lesquels, la défense ou je ne sais pas quoi. Est-ce que les autorités chiliennes, argentines, étaient au courant? Et finalement, si vous vous étiez retrouvé véritablement coincé et en perdition, est-ce que vous avez imaginé les dernières solutions possibles? Et elles viendraient d'où? La France, l'Argentine ou le Chili? C'est une très bonne question, si tu passes. Alors, côté français, on avait juste précisé qu'on partait là-bas sur Amélie ou sur les choses comme ça. On n'était pas allé beaucoup plus loin dans nos démarches. Ariane, pardon, le fil d'Ariane, c'est ça. Et par contre, côté chilien, vu qu'en fait, on est parti d'Argentine pour aller au Chili faire des papiers pour pouvoir entrer dans la zone, ils avaient exactement nos dates de retour, ils avaient notre contact, on avait des contacts radio avec eux.
Et après, côté chilien, on avait donc le fameux routeur météo à qui on demandait tous les jours comment se passait la météo. On disait où on était, quel était notre point de mouillage. Donc là, il y avait beaucoup plus de suivi. Après, à bord, avec donc notre ami Seba qui est guide, on avait vraiment une trousse de pharmacie poussée. Enfin, ça allait jusqu'à avoir de la morphine, des choses comme ça aussi sur le bateau, si vraiment il y avait une situation d'urgence. Mais c'était, voilà, s'il y avait un souci, c'était plutôt les autorités chiliennes qui seraient intervenues. C'est un peu l'avantage des grosses formalités administratives qu'ils nous font faire, c'est qu'au moins ils savent où on est, ils savent quand on doit revenir, et du coup ils suivent. Et ils ont tendance à suivre beaucoup, parce qu'ils ont, ouais, ils veulent être sûrs qu'on est en bonne sécurité dans la zone, quoi. Par contre, si on a un souci, il faut qu'il puisse sortir le bateau et venir jusqu'à nous. Ça prendra du temps. Est-ce que vous avez vos appendices? Avez-vous été opéré de l'appendicite, justement? Moi, oui. Ça, c'est important. C'est arrivé à un navigateur, ça. Justement. Bon, y a-t-il d'autres... Elle est plutôt côté chilien que côté argentin. C'est côté chilien, donc c'est normal que ce soit les autorités chiliennes qui... Typiquement, là, pour notre prochain voyage, on aimerait rester plusieurs jours, en fait, se faire déposer en bateau sur Darwin et pas avoir le bateau qui reste avec nous, qui puisse rentrer. Mais justement, à cause de ces formalités administratives, c'est pas possible. Le bateau n'a pas le droit de revenir côté argentin si on n'est pas à bord. C'est toute une organisation, finalement. On est obligé d'avoir le bateau qui reste avec nous parce que c'est pas légal. Il n'a pas le droit de nous abandonner à Darwin. En gros, en périphérie de la zone, il y a des centres militaires chiliens qui gardent la frontière. Est-ce qu'il y a-t-il combien de jours de navigation? Alors pour ce voyage, en fait, il y a déjà quasiment une journée juste pour aller à Puerto Williams, qui est le port chilien pour faire les papiers. Et après, en fait, le problème, c'est que ça nous fait aller dans le mauvais sens. Ça fait aller côté océan Atlantique. Et ensuite, du coup, il y avait une journée pour commencer à atteindre les côtes de la Cordillère. Et après, comme on a un peu slalomé dans les fjords, ça dépendait un petit peu. On va dire que sur 12 jours d'expédition, vraiment, on a fait 5-6 jours de navigation. Après, en plus, l'aller et le retour, c'est pas pareil, parce qu'il y a un courant dans ce canal. Donc le retour a été beaucoup plus long que l'aller, en fait. On a pris plus de jours pour revenir. On est à contre-courant et c'était beaucoup plus long. On a doublé le temps. Après, dans les fjords, ça a l'air tout petit, mais certains fjords sont parfois pris par les glaces. Donc, il y a un fjord où on a mis beaucoup de temps. Il y en a un qui était à l'avant du bateau avec une espèce de gros bambou pour pousser les blocs de glace pour pas que ça abîme la coque. Donc, il y a des fois, on a passé beaucoup de temps sur le bateau, mais pour faire pas beaucoup de distance, c'était juste que c'était un peu la galère. qui rencontrez-vous au milieu de tout ça? Parce que ce soit au pôle nord, au pôle sud, dans les mers, etc., en général, les Anglais en veulent aux Allemands, les Allemands aux Portugais pour les découvrir les sites les plus beaux. Vous rencontrez qui et qui vous voulez battre? Eh bien, pas grand monde, on ne veut pas battre grand monde. Non, mais après, c'est vrai que c'est quand même une zone frontalière. C'est quand même une zone où il peut y avoir des tensions entre Argentins et Chiliens. Bon, après... On a quand même l'impression que c'est pas une zone qui défoule les passions. Je pense que le climat aide à ce que ça se batte pas beaucoup pour y aller. Et bon, après, les premiers sommets ont été faits. C'est quand même les Anglais qui en ont fait une partie, comme un peu partout. Enfin, c'était la même époque que l'Himalaya, hein, que leur grande expédition en Himalaya. Bon, après, nous, comme on est meilleurs, les Français, on a fait la plus belle expédition avec le groupe militaire de haute montagne. Mais il y a régulièrement des expéditions de guides français qui y vont pour se tester justement au climat extrême. Ça peut vraiment être
l'apprentissage de l'autonomie dans un climat vraiment délétère, c'est là où ils vont le faire. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas les problématiques d'altitude. Et par exemple, le groupe militaire français a encore réussi un exploit il n'y a pas très longtemps, c'était cet hiver, non ? Ouais. Cet hiver, donc en Patagonie, juste un peu plus au nord, il y a deux énormes calottes glaciaires, le Campo de Hielo Norte et le Campo de Hielo Sur. Donc deux énormes champs de glace et aussi, enfin, c'est les plus grosses calottes glaciaires, donc troisième plus grosse mondiale après le pôle sud, pôle nord. Et donc le groupe militaire français a réussi à traverser les deux en descendant du nord au sud, en tout reliant, en faisant tout avec pareil, ski pulka. C'était un énorme exploit dans la presse, en tout cas dans le petit milieu de l'alpinisme, ça a été vu comme un exploit énorme, aussi gros que la traversée de la cordillère d'Arlon. C'est quand même là-bas qu'on trouve les dernières montagnes vierges au monde, en fait. Il y en a beaucoup plus qui sont encore vierges là qu'en Himalaya. Il en reste, il y a quelques vallées au Pakistan où personne n'a jamais eu le droit d'aller, mais c'est quand même là où 90% est encore vierge, en fait. C'était combien les températures à peu près Eh ben, étonnamment, c'était pas si froid. Et ils se sont bien foutus de nous quand on est arrivé avec nos chaussures de 6000. Ils nous ont dit, mais vous allez où? Pourquoi vous avez des chaussures pour aller à 6000 mètres? Ici, ça va, il fait moins 10, ça allait. Là, je jouais au pire moment. Donc en fait, non, par rapport à des sommets très hauts des Alpes, c'est à peu près les mêmes températures, je dirais. Après, voilà, c'est au niveau de la mer, et quand il n'y a pas trop de vent. Le pire, c'est le vent, en fait. Oui, c'était aussi la bonne période. C'est la période où le sol a dégelé, etc. Après, quand il y a du vent, quand on était au sommet du Monte Frances, qu'Emilie allait anti-congeler, là, on n'avait pas de quoi prendre la température, on n'avait pas le temps, de toute façon. Mais il devait faire très très froid, pour le coup. Avez-vous croisé des mammifères marins dans les canaux? Oui, on a croisé les fameux dauphins du canal. Ils sont magnifiques, ils sont plus petits que ceux qu'on peut connaître ici, et ils sont très foncés. Et donc on avait mis une GoPro pour essayer de le filmer, une petite caméra dans l'eau, et il est même venu s'assommer dans la caméra, du coup, le dauphin. Oui, vous avez parlé de toundra, je pense que c'est plutôt des tourbières, pas des toundras. La toundra, normalement, on n'enfonce pas. Oui, c'est plutôt de la tourbière, oui. Ça a une tête de toundra, mais c'est tout spongieux. Ouais. C'est gorgé d'eau, il y a des plantes carnivores, c'est certainement de la tourbière. Pas bonne précision. Vous essayez 7 au départ, non, c'est ça? Avez-vous d'autres questions? Oui. Qu'est-ce que vous employez comme support géographique, je dirais? Est-ce que vous employez les photos satellites? Est-ce que vous employez des cartes topographiques locales ou autre chose? Et un GPS éventuellement que vous guidez? Oui, alors du coup, c'est vraiment une bonne question parce qu'en fait, il existe une seule vraie carte papier de la zone. Mais bon, le problème, c'est qu'elle est vraiment bourrée d'erreurs. Oui, c'est ça. Il y a vraiment beaucoup d'erreurs. Et en fait, c'est là où on se rend compte que la technologie a vraiment un intérêt, c'est qu'aujourd'hui, le meilleur moyen d'avoir une vraie vision de la zone, c'est les photos de Google Earth, en fait. Exactement. C'est les photos des GPS. Parce que du coup, en zoomant, avec des applications là, qu'on utilise pour la montagne, on arrive à peu près à voir comment se font les glaciers et autres, ce qui n'est pas le cas sur la carte. La carte, elle est quasi inexploitable, hein, honnêtement. Ben, si on devait se repérer sur la carte, on n'arriverait jamais à rien faire. Donc en fait, vous devinez un peu les passages sur Google Earth. Quoi. Exactement. Et l'autre point qu'on va dire merci à la technologie, c'est qu'on avait avec nous, donc, pour faire les images de la vidéo, un drone. Et quand on avait un doute de savoir s'il y aurait une barre rocheuse derrière ou pas, on envoyait le drone pour filmer la zone et voir un peu à quoi ça ressemblait. Merci. Mais après, ça lève pas le doute, parce que le problème, c'est qu'on a l'impression qu'on peut accéder, qu'il y a une petite vallée qui est bien, et en fait, on a eu le cas à un moment, et ben on arrive sur une falaise toute lisse, où le retrait glaciaire a créé quelque chose de tout lisse, et ben on a marché 2 jours pour rien. Pour repartir en arrière, et c'est l'aventure, quoi.
vous n'étiez pas trop éloigné du Cap Horn. N'avez-vous pas eu l'envie de le franchir pour ajouter de la valeur à votre expédition ? Alors, c'est vrai que c'est attirant. Il y a l'Antarctique aussi qui est pas très loin. Oui, du coup, il y a pas mal de gens qui viennent dans la zone pour y aller. Là, cette fois-là, c'était le temps. On avait vraiment 3 semaines de vacances. Et malheureusement, on n'avait pas le temps de partir au Cap Horn. Après, ça peut s'envisager. On se ferme rien là-dessus. Après aussi, Arnaud s'est un peu découvert avec le mal de mer si c'était vraiment déchaîné. Donc ça a un peu calmé nos ardeurs aussi. Est-ce que vous viendrez raconter votre prochaine expédition ou pas ? Avec plaisir, si on est réinvité. si on revient entier. C'est très bien ça. En tout cas, juste on le redit, si certains veulent venir voir un peu le matériel, on verra. Vous prenez les stagiaires. Merci à vous.